Effectivement, on s'est rendu compte en regardant les données, mais plutôt donc a posteriori, qu'on avait recruté énormément de jeunes l'année passée sur la marque. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait ? On a vraiment communiqué sur notre héritage, donc sur les valeurs clés pour la marque, le fair play, l'humilité, la ténacité, l'esprit de groupe, le friendship qui était très très cher à l'esprit de René Lacoste. Finalement, ces valeurs-là, c'est celles qui plaisent aux jeunes d'aujourd'hui. En fait, il y a plusieurs sujets. Il y a un sujet d'évolution de la publicité. La publicité doit pas être un pinsomme pour les gens. Et en fait, aujourd'hui, je pense que les jeunes, ils ont trouvé le système, c'est qu'ils l'évitent et ils la contournent. Et donc, il faut vraiment qu'on réinvente notre métier pour faire en sorte qu'ils aient envie de la regarder. Après, ce qu'il faut, c'est, comme vous le soulignez, arriver à leur parler. Et pour ça, on va là où ils sont. Donc bien sûr sur les réseaux sociaux, sur une forme de communication qui n'est pas la publicité traditionnelle, sans doute au sens peut-être du 30 secondes télé, mais celui-là en fait Lacoste n'en fait pas vraiment. Et donc en fait on est sur un ensemble de canaux de communication qui sont les réseaux, qui sont des opérations où la marque parle de ce qu'elle est et qui connecte comme ça avec cette cible-là. Pour redonner de l'appétence pour les carrières en agence, il faut dire aux gens que c'est un vrai métier. C'est-à-dire que trouver une stratégie pour une marque en analysant des études, en regardant les concurrents, en regardant les signes du marché, c'est un vrai métier. Travailler avec des boîtes de production, vidéo, cinéma, musique, événementiel pour faire vivre un programme sur une marque, c'est un vrai métier. Savoir parler à un journaliste, parler à un influenceur, comment on parle à l'un qui influence l'autre, qui influence le troisième, ce sont des vrais métiers. Donc au fond, les métiers de la communication ont beaucoup de valeur. C'est un métier qui est de plus en plus passionnant, de plus en plus intéressant, de plus en plus divers, de plus en plus proche des métiers qui les fascinent plus, que ce soit les métiers à très forte valeur ajoutée, les métiers très technologiques ou encore les métiers des médias. En fait, la pub, c'est un peu la possibilité de faire tous ces métiers en un seul et d'avoir une vie à la fois passionnante, diverse et de travailler sur des sujets dans des contextes très différents. Au fond, c'est un super job et notre boulot, c'est aujourd'hui de leur montrer que c'est le cas. Mon équipe screen beaucoup les réseaux sociaux pour en fait regarder les talents qui sont les musiciens, les artistes qui sont en lien avec la marque et souvent on les contacte. Nous, en leur disant vous avez l'air d'aimer la marque, nous on vous aime aussi, travaillons ensemble. Bon, là, ces jeunes, c'est tout simplement l'idée de dire si on arrive à créer un bureau des jeunes avec des gens qui ont moins de 25 ans et qui sont déjà en agence, on aura un autre regard sur la façon de gérer la ACC. Et donc, ils ont déjà travaillé sur les journées portes ouvertes et on leur a demandé de concevoir un plan d'action sur l'attractivité de nos métiers qu'on va financer. Ce que je conseillerais à un jeune qui veut se lancer dans la com, c'est de cultiver sa curiosité. Et pour ça, je pense qu'il faut aller dans les supermarchés, voir comment vivent les marques avec les gens et aller au musée pour voir les formes créatives. Et au fond, notre métier, c'est à mi-chemin entre du commerce et de la créativité.